point culminant de cette semaine, un de ces fameux dimanches matin. Un dimanche matin après un samedi soir. Eh hey, mince, presse-moi l'inte. Quand je suis à la bourre, j'ai souvent beaucoup de peine à décider quoi mettre. Tenue A, tenue B, tenue C, tenue D, tenue A, tenue B, tenue C, tenue D, A, B, C, D, A, B, C, D. Bon, je mets le premier truc que je trouve, en n'oubliant pas l'essentiel. Je me suis dit... Ah, je suis dans les temps. Évidemment, plus le temps de me chauffer avant la rep à 9h, mais un percussionniste se débrouillera toujours, même un dimanche matin. Reste plus qu'à se réveiller. Bon, la répète commence à 9h, l'horloge de la voiture est en 9 minutes d'avance, la montre du directeur est en 9 secondes d'avance. Ah, ça va être juste. Et sachant que je sais que l'horloge de la voiture a 9 minutes d'avance, je devrais arriver presque à l'heure. J'ai quelques minutes de retard, bon, on va la faire discret. Jack, monsieur Garot. Raté. Bonjour. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai un problème de réveil. Excuse-moi. À partir de maintenant, pour moi, c'est discret, concentré et pas une à côté. Alors prenez un British Pennsman. Je me suis dit, ouf, c'est nickel pour se mettre dans l'ambiance. C'est une partition attention. De grosse caisse. Tranquille. Et là, le directeur m'a dit... Dix fois trop fort. Quoi. C'est vrai, il me le dit souvent. C'est pas la marche de défilé pour le tour du Val d'Anivier. J'ai rien dit. Attention, pas de sauvage. Bon, je vais essayer de plus trop me faire marquer. Maintenant, plus une fausse note de toute la répète. Le prochain morceau est un arrangement classique. Je me suis dit, ça devrait être jouable. Je regarde le directeur, il me regarde pas. Je le re-regarde, il me regarde toujours pas. Je me suis dit, ça doit être juste. Erreur fatale. Ça, c'est difficile, hein. Comptez jusqu'à 4. Le prochain morceau, ça valait mieux. Des claviers, une mélodie, facile à se rappeler. Non ! Bref, j'ai répétition dimanche matin. Ah, c'est fou, j'ai toujours l'impression que ça répète du dimanche matin et d'une éternité. C'est vrai, on doit encore prendre l'apéro. Ça y est, j'ai 2h30. Et mince, j'ai encore mal compté.